Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Club 1906 du lundi soir pour une dernière cette saison avec toute l'équipe titulaire habituelle. Monsieur Conrad, bonsoir. Et en fin de contrat, bonsoir. Et en fin de contrat, comme beaucoup de Strasbourgeois. Voilà. À tes côtés, Mohamed Cheliti, bonsoir. Bonsoir Maxime. En fin de contrat également. Également. J'espère que le président sera là à la fin de la séance bien d'ailleurs. Bien sûr. Mais est-ce que vous avez rendez-vous mardi avec la direction ? Comme Thierry Loret aurait pu l'avoir avec sa direction. Bah déjà, j'attends quelqu'un qui se positionne. Donc, si on peut le voir pendant l'émission, c'est encore mieux. Sinon, bah, on va attendre les coulisses et ça va se faire en off. Je passe directement à Jacky Duguay-Pérou, qui est lui aussi en fin de contrat. Bonsoir. Ouais, mais moi, j'avais mis une clause que si on se maintenait, j'étais prolongé d'un an. Donc, Ah oui, effectivement. Voilà, donc, et donc, l'équipe bah, Direct Racing... La clause, je ne suis pas obligé de la faire. Je vais réfléchir cette nuit. Il est le seul à être encore en contrat autour de ce plateau. Monsieur Elbling, bonsoir. Bonsoir Maxime, bonsoir tout le monde. Une certaine sécurité de l'emploi, voilà. Extraordinaire. Le fonctionnaire du journalisme. Extraordinaire, avec un train de vie extraordinaire, messieurs. Ouais. Là, avec le maintien, j'ai pris... Un an de plus. Rien. Allez, bonsoir à vous. N'hésitez pas à commenter, à partager cette émission sur Facebook et sur l'ensemble des réseaux sociaux. YouTube également, si vous êtes derrière YouTube, les sujets du soir. Bah forcément, on va revenir, mais très rapidement, hein, sur le match d'hier, parce qu'il n'y a pas grand-chose à raconter entre le Racing Club de Strasbourg et Lorient. On va faire le bilan de cette saison. Lorient, là, il y aura bien plus de choses à dire. Thierry Loret, voilà, on a eu cette conférence de presse un peu surréaliste hier. La décision de la direction, enfin, elle était à 99% sûre. Donc, de cette fin de parcours de Thierry Loret au Racing Club de Strasbourg. Perspective et boule de cristal. Alors, on a nommé ce thème-là de cette façon parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et peu de choses où on est sûr. Alors, pas grand-chose. Peu d'affirmations sur l'avenir du Racing Club de Strasbourg. La Ligue 1 Enco, donc, qui s'est achevée, cette Ligue 1, avec le titre du LOSC hier. C'est parti, messieurs. Racing Lorient, qu'a-t-il à dire de cette rencontre ? Monsieur Conrad. Bah, qu'il fallait qu'un point et qu'on l'a eu, quoi. Voilà, c'est un début de match très poussif, fébrile, tendu, côté Strasbourgeois, parce que Lorient est venu avec visiblement d'autres intentions, et un but qui finalement tombe juste quand il faut, et qui libère le Racing, qui crispe un peu plus Lorient. Donc finalement, voilà, c'est comme ça que je le vois. On a eu tout le Racing dans un match, avec, comme dit, de la fébrilité. Quelques passages quand même intéressants, hein, avec un milieu de terrain joueur, bizarrement, hein, avec un Bellegarde qui était à l'aise, avec encore une erreur sur le but défensif individuel. Encore une. Voilà, on a eu tout. On a eu tout. Et encore une fois, un but ramené par Ajorque. Donc, bon, sinon, non, qu'est-ce que tu veux dire de plus Non, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Non. Voilà. Si ce n'est que, comme dit, au deuxième but du PSG, on s'était réglé. Hein. C'est ça. On s'était mis d'accord sur un nul et c'était fini. J'exagère, hein, volontairement. Oui. Voilà. Mohamed, tu as eu le courage de regarder ce match. Finalement, il y a eu de l'enjeu pendant une heure. Et puis derrière, la dernière demi-heure était très poussive. Clairement, mais on le voyait. Moi, je voyais le match nul gros comme une maison. Je l'avais dit dans l'émission d'avant, d'ailleurs. C'était un score qui nous arrangeait. Et voilà, le résultat de Paris jouait aussi un rôle important. Et voilà, Paris a fait le job. Et derrière, ben forcément, sur la fin de match, on a régulé. Lorient aussi. Voilà, tout est bien qui finit bien. Une saison longue, très compliquée. Je pense qu'elle était longue pour tout le monde. Hein. Donc, content qu'on se maintienne quand même. Ce qui était important dans ce match, c'était pas le contenu. Je m'en foutais de voir voilà, la composition, le contenu. Je voulais juste qu'on se maintienne. Et c'est chose faite, donc passons à autre chose. Le 8e but d'Habib Diallo, c'est peut-être. 10e. D'accord, très bien. Belle préparation. Merci, voilà. C'est pour ça que c'est ma dernière. Voilà, enfin, une bonne nouvelle. C'est un carton orange. Exactement. Hein. Donc, le 10e but de l'ancien Messin, Habib Diallo. Voilà, c'est quand même une certaine. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est bien parce que. Critiqué. C'est bien. Franchement, c'est vrai que t'es 15e et t'as deux attaquants qui t'ont mis 26 buts. 26 buts à deux. Ouais. C'est pas ridicule. Maintenant, tu sais, il y a des attaquants qui ont un temps d'adaptation. Je ne cherche pas d'excuses à Habib Diallo parce que souvent il m'a agacé cette saison. Je trouve encore que sur le match d'hier, dans le jeu aérien, c'est une calamité. Et pourtant, il met un but de la tête. Hein, mais je trouve que dans les longs ballons. Il n'arrive pas à lire le ballon, c'est un truc de dingue. Maintenant, 10 buts, moi je suis.
écoute, on s'est maintenu. Alors, je lis hein, les commentaires, bien évidemment, hein, je les bois. Je me suis couché, je crois, il était 5h30, j'ai encore fait un ou deux articles, et puis j'ai lu beaucoup de commentaires. Et on nous reproche de nous contenter du minimum. Mais en fait, il y a quelque chose que j'ai envie de dire depuis un petit bout de temps, et je vais le dire maintenant. Attendez, on va sacraliser le moment. Non, c'est pas du tout, on va sacraliser, mais il y a un moment donné dans le football, il y a bien sûr qu'on veut toujours faire mieux, mais il y a des fois des saisons où le mieux est l'ennemi du bien, et tu te retrouves à avoir un petit grain de sable qui va tout enrayer, et ça peut arriver. Jackie, je me souviens très bien, et c'est pas pour parler de Jackie, mais il avait une équipe en 2005 qui était magnifique, et ça prenait pas. Des fois, il y a des saisons de football, c'est comme ça, c'est du sport, il y a un facteur aléatoire à un moment donné dans le football. Si t'as pas une équipe comme le PSG, et encore finalement, qui sont pas champions, je veux dire, ou Lyon, qui sont même pas en Ligue des Champions, je veux dire, à un moment donné, c'est pas une question de se contenter du minimum. C'est qu'il y a des fois, il faut savoir se dire, merde, c'est pas notre saison, il faut limiter la casse. Voilà. C'est comme ça que je le perçois, moi, le football. Hein. Jackie, un dernier mot sur ce dernier match. Mais moi, le match, je l'ai écouté. J'ai écouté les commentaires de Jonathan et j'ai regardé le multiplex, je dois l'avouer. Donc j'ai vu les comptes rendus du match du Racing. J'ai vu un superbe tacle offensif d'Ajorc qui a servi de passe décisive pour Diallo. Mmh. Et c'est quand même remarquable pour une équipe qu'on juge incapable de faire le jeu, ce que je pense toujours, d'avoir un duo de buteurs qui a marqué 26 buts. Donc ça, c'est quand même quelque chose de positif. Maintenant, on parlera du chantier qu'il y a derrière. C'est peut-être que conserver ce duo d'attaquants et puis derrière, mettre en place une équipe qui va leur donner à manger, comme on dit. Hein. Exactement. On va réagir à certains commentaires et on va de suite passer au bilan. Match arrangé. Non, ça faisait les affaires de tout le monde. Et voilà, l'intensité, c'est réduite, tout simplement. Bah, ça me paraît logique que quand Paris gagne à Brest 2-0, que tout le monde lève un peu le pied. Enfin, je sais pas, moi, ça me semble pas... Vu l'ombre de fautes sifflées par la madame Frappard, on avait l'impression que c'était un match de boucher. Hein, parce qu'elle avait le sifflet facile, quand même, hier, madame Frappard. Ouais, en attendant, je l'ai vu qu'elle s'est critiquée sur des commentaires. Enfin, la Frappard, si elle est vraiment... Elle met Carole, il finit par le match. Mais bon, il y a un moment donné... Enfin, franchement, il faut arrêter. Ajorc qui touchait un bonhomme, franchement, c'était pénible. La tribune présidentielle s'est levée, j'ai même vu Marc Keller s'agacer. Thierry Loret était furieux, il s'est un peu chauffé avec Pélissier. Enfin, franchement, c'est un sport... Je parle pas de sport d'homme, parce que je trouve que le terme sport d'homme, c'est un peu misogyne, mais c'est un sport de contact, le football. Ah. C'est vrai qu'elle s'y fait assez rapidement, mais après de là à dire lamentable, ouais, bon. Non, peut-être pas lamentable, mais moi j'ai trouvé... voilà, mais c'est pour dire que ce match, il y avait quand même à minima de l'engagement. Ben c'est normal, hein, les deux équipes elles jouaient pour pas être barragistes quand même. Hein. Ouais. Donc c'est normal qu'il y ait un minimum d'engagement. Ouais. Et même ce qui est un peu surprenant, c'est. Je t'ai écouté hier, hein, tu as dit à la radio que Lorient est 70% de possession de balle en deuxième mi-temps. Ouais. Donc je sais pas si le Racing a tout fait ou ou alors ils étaient certains que. C'est vrai, quand Brest est mené 2-0, bon, il peut plus rien arriver. Mais moi, je crois pas au match arrangé. Je répète qu'avec Pélissier, je pense pas qu'il y ait de match arrangé. Et en tous les cas, moi, j'ai jamais connu ça. Maintenant qu'ils aillent pas se rentrer dedans et se défoncer, c'est un peu normal aussi. Bien sûr, ça serait dommage, quoi. C'est logique. Mais le résultat, c'est que pour la cinquième fois de suite, on n'a pas perdu. Hein. On avait perdu les quatre derniers à domicile. On a fait match nul contre l'équipe qui est la 20e sur 20 à l'extérieur. Donc même si j'ai pas vu le match, j'ai écouté ce que tu as dit, j'ai vu les extraits, j'ai pas perdu grand-chose, je pense, à ne pas regarder le match. Jonathan. Non, je disais un commentaire et ça tombe bien parce qu'on a quand même l'immense honneur d'avoir toujours Jackie Duguay-Pérou avec nous, qui aussi a un record de longévité au sein de l'équipe Direct Racing. Il va entamer sa quatrième saison, non, plus sérieusement. Qui disait. Enfin, peut-être. Hein. Patrice, mais je le sens bien. Il est en confiance et tout, là, il a pris ses marques. J'appelle mon avocat. Patrice Guéguer, qui nous dit match arrangé comme. Et ça va pas plaire à Jackie, mais justement, c'est. Mais Jackie, me dit, calmez-vous. Comme Belfort-Strasbourg à l'époque. Ouais. Est-ce que c'était un match arrangé? Mais non, monsieur. Non, mais c'est une question. C'est pas un match arrangé. Non, pas du tout. Pas du tout. Il peut penser ce qu'il veut. J'ai jamais, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, participé à des matchs arrangés. Je sais pas comment il faudrait parler aux joueurs d'une causerie d'avant-match
pour arranger un match. Donc, c'est pas un match arrangé, c'est un match qui arrange tout le monde. Mais en fait, non, mais si tu veux arranger le terme, les gars, s'il vous faut un point, et bah, tu y vas pour, tu y vas pour prendre un point, tu restes derrière, tu sors pas et tu attends pour pas prendre de but. C'est ce qui s'est passé hier. Voilà, mais ça veut pas dire que c'est un match arrangé. Moi, j'ai pas discuté avec l'entraîneur, ni je pense pas que Marc Keller ait discuté avec les anciens, les dirigeants de Belfort pour qu'on fasse un 0-0. Voilà. Après, chacun est libre de penser. Bien sûr. Ça, on critique pas. Messieurs, on passe au bilan de cette saison. Donc, le Racing Club de Strasbourg termine 15e avec 42 points. On peut regarder d'ailleurs le classement de cette Ligue 1 avec Hugo Burduche à la réalisation. Donc, qui termine avec un bilan de 49 buts marqués, 58 encaissés. Voilà. Quelle impression rapidement sur cette saison très longue pour tout le monde et notamment pour les joueurs. On va commencer par Jackie. Ouais. Beaucoup moins bonne au niveau comptable que l'année dernière, parce que j'ai fait un petit peu un ratio. L'année dernière, on a joué que 27 matchs, avec 38 points, donc ça fait 1,40 par match. Et cette année, 42 points sur 38 matchs et 1,10 par match. Donc l'année dernière, si on avait été au bout, par exemple, on aurait eu 53 points sur le même ratio. Donc c'est une saison au niveau comptable qui est beaucoup moins bonne que celle d'avant. Ce qui nous fait dire, on en parlera après, qu'il y aura un changement d'entraîneur et je pense qu'il y a aussi au niveau de l'équipe un effectif à renouveler pour recommencer un nouveau cycle avec peut-être une autre dynamique. Jonathan, est-ce qu'on a assisté à la pire saison du Racing Club de Strasbourg? Non, comptablement, ce n'est pas le cas, mais la pire saison du Racing en Ligue 1 depuis son retour dans l'élite? Oui, sinon on parle footballistiquement, on n'a pris aucun plaisir. Moi, j'ai pris aucun plaisir hier soir encore, j'ai pas pris de plaisir, mais c'est vraiment, je pense qu'il faut avoir conscience que c'est une année de transition. Je suis persuadé que c'est une année de transition, c'est une année de galère. Alors oui, le Covid, il a bon dos, oui, les autres n'ont pas tout vécu, je suis d'accord. Mais entre attraper le Covid en janvier-février, où le protocole sanitaire n'était pas le même qu'en tout début de saison, ça a aussi un impact. À ce moment-là, c'était 15 jours, hein, ou 15 jours, les mecs n'avaient pas le droit de s'entraîner, n'avaient pas le droit de faire d'entraînement collectif. Ça impacte. Derrière, on les a vus hein, face à Lorient. Physiquement, on a craqué en deuxième mi-temps au match aller, alors qu'en première mi-temps, physiquement, on était au top, on a ouvert le score par Mehdi Chaïri. C'était une saison qui nous laissait penser que Strasbourg allait faire de belles choses. Maintenant, on a vu que c'était pas le cas. Le bilan, il est vite fait, t'es 15e. La blague, hier, il y avait quand même une blague dans tout ça. C'est qu'à la mi-temps, t'es 12e, la blague, elle est là. C'est pas que tu sois 15e maintenant, c'est ça. Que tu sois 12e à la 45e. C'était pas notre place. Notre place, elle est 15e aujourd'hui. Le bilan, il est là, voilà. Mohamed. On est clairement à notre place, hein. Là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord. D'accord. Je pense qu'on peut pas rêver mieux quand tu vois la saison qu'on a vécue. Alors c'est vrai qu'on a galéré sur le début de saison avec le Covid. Le public nous a manqué énormément, mais ça c'est le cas pour tout le monde. Même si encore une fois je le redis, à la Méno, ça manque encore plus que je pense que dans d'autres stades. Je pense que Lorient a moins souffert du manque du public que nous, même si ils ont perforé à la maison. Hein. Ils ont des stats assez intéressantes, mais je pense que c'est une saison à vite oubliée. L'essentiel, c'était le maintien. On l'a eu aujourd'hui. Moi, j'ai plus envie de revenir en arrière. On va aller de l'avant, c'est tout. Ce que tu dis est très juste sur toute la longueur. Il y a juste un truc où je suis pas d'accord, c'est quand tu dis c'est une saison à oublier très vite. Non, faut pas l'oublier. Bah à la base, quand tu vois le recrutement, tu te dis on va garder quasiment tous les cadres. Moi, on va garder tout le monde. Justement, c'est pas. Il faut en tirer les leçons. Les joueurs, ça va être ceux qui vont rester, les Djikou et tout ça. Moi, je trouve que c'est un vrai plus pour ces joueurs d'avoir connu une saison comme celle-ci, tu vois. Je pense que c'est intéressant de connaître ce genre de saison difficile. Oui, parce que c'est en forgeon qu'on est un forgeron. Voilà, on a souffert, on a galéré, c'est ensemble qu'on grandit. C'est une chose. Mais derrière, quand tu regardes le début de saison, on a quasiment vendu personne. Donc on a gardé la stabilité que tout le monde pensait. Voilà, passer un cap avec ce groupe-là. Et ce qui s'est passé, c'est tout l'inverse. On a eu une équipe qui a quasiment pas bougé depuis l'année dernière. Et derrière, on n'a pas avancé, on n'a pas évolué. Moi, je trouve qu'on a régressé par rapport à l'an dernier. Alors, le pourquoi du comment, on le saura jamais. Mais je pense effectivement que cette période compliquée, le Covid, l'absence du public, a beaucoup joué. Julien, je vous ai vu tantiner de la tête. Oui, parce que moi, quand on reprend la saison et quand on voit surtout avec quel effectif on démarre la saison, elle est dans le jeu, elle est conforme à l'effectif qu'on a. On pouvait pas faire beaucoup mieux. Tu dis on a gardé l'effectif, ouais. Quand tu dis qu'on a régressé, je suis assez d'accord en termes de qualité, mais l'objectif était le maintien et rien d'autre. Et on a construit un effectif typé défensif qui est plutôt fait pour jouer à 5 derrière. Et derrière, on n'avait pas de qualité, hein, c'était de création dans l'effectif.
Donc finalement, je parle maintenant purement techniquement et dans ce qu'on a vu, tu disais, dans la prise de plaisir, on est conforme à l'effectif qu'on a depuis le début de la saison. À la défense de Loré, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il faut faire un bilan. Il a quand même, et il l'a dit hier, fera le bilan de Loré. Trois joueurs qui lui manquent, trois joueurs, des titulaires, trois cadres. Son Motiva, bilan, il était un. Cels et Simacan. Son bilan hier, c'était la seule chose dans sa conférence de presse avec laquelle j'étais d'accord. Ouais. Il tire un bilan en disant voilà, comme tu dis, Motiba, Cels, etc. Alors, ah oui, après tu disais le Covid, tout le monde l'a eu, machin, t'as raison, mais on a quand même été un des clubs les plus impactés dès le pire moment. Donc voilà, on est à notre place, je rejoins tous, que ce soit comptablement et que ce soit au niveau de la qualité du jeu, on est à notre place. On pouvait pas espérer mieux, je pense. Là, on voit le commentaire de Jean-Marc Huc qui nous dit « Loré a fait une saison de trop ». Mais je suis pas d'accord, une saison de trop, ça veut dire quoi, une saison de trop ? Si on avait fini 10e, on n'aurait pas ces commentaires-là. Oui, bon, après, c'est pas le cas. Mais voilà. Et on n'est pas... Non, mais il a quand même pas tant ce qu'il dit. Je veux dire, à un moment, au bout de... Je le dis et redis, hein. Moi, je pense que son discours, il a du mal à passer sur... Ah bah oui, mais ça, c'est autre chose. Mais alors là, on va en parler. Son discours, il ne passe plus depuis 2 ans. On va dire les choses comme elles sont. Le vestiaire, il est désolidarisé du coach depuis 2 ans. Marc Keller a décidé de le prolonger d'une année. On s'imagine que le Covid a eu un impact. Hier, moi j'ai entendu un coach qui défendait corps et âme ses joueurs encore. Qui dit même, et moi j'ai été le premier surpris, dit « J'espère que Dimitri va prolonger », alors que lui et Dimitri ne se parlent plus depuis décembre. Moi, il y a un moment donné, faut qu'on m'explique. Alors les joueurs sont plus solidaires, on l'a pas trop vu non plus sur le terrain, que les joueurs étaient plus solidaires du coach, ça passait plus, ça c'est une vérité. Mais hier, il les a encore une fois défendus. Donc, s'il y a un truc qu'il faut lui laisser, c'est qu'il a toujours eu ce rôle justement d'absorber la pression, entre guillemets, parce que voilà, il n'a jamais mis ses joueurs en avant, il s'est toujours lui-même mis en avant, quitte à prendre. Bah, il a pris des rafales aussi par rapport aux journalistes, etc. Ça, c'est le rôle de l'entraîneur. Donc ça, c'est aussi, voilà, c'est aussi à mettre en avant. Jackie, vous vouliez réagir ? Ouais, moi je pense que dans cette saison, il y a deux choses qui ont fait qu'on ne s'est pas régalé. Et qu'on n'a pas eu de bons résultats, c'est qu'il y a eu un nombre d'erreurs défensives incalculables. Encore une hier soir. Qui nous ont coûté des buts. Et tant qu'on aura une défense aussi peu fiable, on ne pourra pas prétendre à mieux que ce qu'on a fait. Et puis l'autre point, et là je pense qu'au niveau du recrutement, il va falloir se bouger et prendre des joueurs expérimentés. Et on a eu des grosses défaillances quand il a fallu faire le jeu. On a été... Bon, on dit que Thierry Loré est tactiquement, et je le répète et je l'adénie, est un entraîneur très fort contre les grosses équipes. Parce qu'on a fait souvent des bons matchs contre les grosses équipes. Par contre, quand on doit faire le jeu, quand on doit pratiquer du jeu, je veux dire, on n'a pas été bon. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors, on a beau dire, les résultats à domicile ne sont pas bons parce que le public, il n'y a pas que le public. Bien sûr. Hein, pourquoi on gagne à l'extérieur, c'est pas, je veux dire, on doit être les qualités des passes, la technique, les enchaînements, voilà, ce que j'ai vu la dernière fois, le but de la tête de Hajor, par exemple. Voilà, c'était des actions construites, on en a vu très très peu. Et moi, je pense que, derrière, il faut fermer, il faut arrêter de prendre autant de buts, parce que ce n'est pas possible, vous n'avez qu'à regarder les classements, hein. Ceux qui encaissent. Hein. Et puis après, je veux dire, avoir une meilleure maîtrise quand on a le ballon. Il faut que ça joue différemment. Quoi. Mais il n'y a quand même jamais eu autant de victoires à l'extérieur que cette saison. Oui. Ouais. C'est quand même une statistique... Tout est faussé. Jiku, hier, disait que l'objectif en début de saison était 10, 11e, 12e. Voilà, avec cette 15e place, on est quand même en dessous de cet objectif fixé par... Ouais, mais en même temps, ça joue tellement pas grand-chose, on l'a vu hier. Quelques points. Hein. Et c'est tellement léger au niveau des points. Les matchs de pré-saison, quand même, ils nous laissaient espérer de belles choses. Hein. Ouais. On met 3-0, je crois, à Montpellier, de mémoire, des choses comme ça. Enfin, tu dis... Ouais, mais ça veut rien dire. Non, mais, Jackie, je suis d'accord. Il n'y a pas de débat là-dessus, je vous rejoins. Mais après, je veux dire, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose en points. Hein. Mais... Le problème de Strasbourg cette année, c'est quoi ? C'est de ne pas avoir battu Brest, d'avoir perdu Nantes. S'il y a du public, Marseille a pénalty. Marseille, on ne perd pas. Marseille a pénalty. Bien sûr, on ne perd pas. C'est sûr, à la 93e, Marseille a pénalty. Et ces 6 points, ça fait 4 points. Ces 4 points, tu te retrouves 11e. Jonathan, mais si tu vas chercher d'autres matchs, il y a des matchs où tu as pris des points. Mais je suis d'accord, Jackie. Non, mais ce que je vous dis. Non, mais Jackie. Ce que je veux dire, c'est que là, je parlais de Marseille parce que Marseille me venait à la tête. Mais par contre, Nantes et Brest, c'est nous les coupables. C'est ce que je veux dire. S'il y a du public à Lille, par exemple. Ouais, j'allais dire, tu prends pas de points. Dans les dernières minutes, tu prends. Bah, on l'a pris. Ouais. On l'a pris. On est d'accord. On est d'accord que ce style de jeu que le Racing avait. Ouais, je pense que
Ça s'équilibre quand même. Ce style de jeu, il a été voulu par le coach, on est d'accord. Moi, je suis pas sûr que ça s'équilibre. Mais quand tu prends des mecs qui sont athlétiquement très bons, mais techniquement très limités, tu t'attends à quoi? Mais tu cherches quoi? Mais alors oui. Tu peux pas faire le jeu, tu peux pas. Mais par contre, t'attends aussi à ce qu'un joueur, quand son niveau technique il est là une année, tu t'attends que l'année après. Il n'y a pas de progression. Il n'y a pas eu de progression. Pas eu de progression. Je pense avant, de la exact. Non, mais voilà. Mais le coach, quand lui prépare son équipe, il a un mec qui a 22, 23, 24 ans, il se dit qu'il va progresser, ce joueur. Et là, il y a eu une défaillance. Et Jonathan, vous avez dit tout à l'heure que Bellegarde a été bon hier dans son rôle de axial. Ah ouais. Voilà. Mais moi j'ai découvert Bellegarde à Lens. Et à Lens, il jouait dans ce rôle-là, ouais. Avec un milieu un peu plus défensif et lui qui jouait box-to-box, hein, comme on dit. Ouais. Et donc, il n'a jamais joué comme ça. Moi, j'aime bien. Moi, je ne l'ai jamais vu jouer. On l'a souvent évoqué, hein. On l'a souvent dit. Il jouait sur le côté gauche, souvent sur le côté gauche comme ça. Il tient les ballons. Et lors de son arrivée, les tout premiers matchs, il joue dans ce rôle-là. Et moi, je l'aime bien, lui. Je trouve qu'il y a quelque chose. Il perd ses responsabilités et ce positionnement. Ouais. C'est un joueur, outre la ressemblance physique, je trouve, c'est un joueur à la maturité. Ouais, c'est ça. Non, mais après, on est tous bien d'accord, et même ceux qui sont fervents supporters de Thierry Loré, qu'à un moment donné, quand ça va mal, tu fais des choix et t'as des joueurs qui sortent du circuit et tu les mets plus. Après. C'est comme ça. C'est comme ça. À l'époque, je vous rappelle quand même qu'à l'époque, on avait Corentin Martins et qu'on avait un entraîneur ingénieux qui nous a dit: Corentin Martins, il n'est pas assez bon, on va le prêter à Bordeaux. Il a joué la Ligue des Champions avec Bordeaux, il claquait but sur but. Hein. Vous en souvenez? Ouais, mais après, des fois, dans un groupe. C'est comme ça. Il se passe des choses qu'on connaît pas dans le groupe, dans le vestiaire, dans le truc comme ça. Et après, il peut y avoir des problèmes qui font qu'entre le joueur, l'entraîneur et le joueur, il y a des affinités, il y a plus d'affinités. Ah oui. Il y a des choses qui font que tu choisis pas comme ça. Tu choisis pas pour dire. Il y a sûrement quelque chose. Si le mec, il joue pas, si Persic, il joue pas, ou il rentre à la 90e, je sais pas, il y a quelque chose. Si Saïdi joue pas, c'est qu'il y a quelque chose aussi. C'est pas possible. Bah bien sûr. Après, le secteur de Bellegarde, c'est un secteur où on a empilé les joueurs. Hein. Il y en a combien? Quand tu joues là-bas, le problème de Sissoko, par exemple, c'est qu'il s'est pas amélioré une seule fois. Il s'est pas amélioré. Mais un joueur du milieu. Sissoko, Aoulou, Bellegarde, Chaillet, parce qu'il rentre dans le truc. Liénard, on oublie, Persic. Et quand tu joues en 4-4 de losange ou quand tu joues avec deux récupérateurs, à un moment donné, ça fait du monde, quoi. Ouais, comment tu veux les faire jouer? Par contre, les couloirs, il n'y a personne. Tu en fais jouer deux, un qui est comme ça, qui va au contact, et puis un autre qui fait le jeu. Loré se plaignait que son équipe allait pas assez vite. T'as pas de vrai ailier dans cette équipe? Si, quand tu joues à 5, t'as du Cassier, t'as du Gilbert, même t'as si pas de Cassier, t'as que ça. Mais c'est ça, t'as que ça. Carole qui était au placard, faut dire ce qu'il y a, Carole cette année, c'était au placard. C'est ça, on a empilé le milieu de terrain. Et on a complètement déserté les couloirs, donc finalement, t'avais pas de concurrence dans les couloirs aussi. Tu fais beaucoup. Des matchs de tennis, ouais. Parce que je me répète encore une fois ce que j'ai vu, qu'effectivement, Thomasson était décevant. Mais jouer dans cette équipe, à ce poste-là, et voir le ballon voler au-dessus de toi tel un drone, c'est pas possible, c'est du vrai football. Ça rejoint ce que j'ai dit au début, quand je disais que qualitativement, on est à la place de l'effectif qu'on a. C'est ce que je veux dire. Genre, si je m'explique bien. En surface à chaque fois. Ouais. Tu peux pas espérer mieux. Dans le jeu, je parle pas du classement, je parle. Tu peux pas espérer mieux dans le jeu quand tu construis un effectif comme ça. Tu peux pas. Mmh. Messieurs, finalement, cet été, on avait tous les ingrédients pour se dire que ce serait une saison compliquée. Peu de rotation dans l'effectif. Alors certes, vous avez toujours le discours de la continuité. Ouais, mais c'est quand même bien si t'as une équipe, parce que c'était pas si mal la saison d'avant. Oui. Si t'as pratiquement le même effectif, t'as Persic qui revient alors qu'il connaissait la maison. T'as pas beaucoup de changements. Normalement, les rouages, il y a la complémentarité entre les joueurs. À l'entraînement, t'as pas besoin de travailler grand-chose. Je poursuis en l'espace de 15 jours, 3 semaines, fin juillet, début août, vous avez les blessures de Motiba, de Cels, les 4 Covid. Voilà. Ouais, mais on va pas vivre avec ça pendant 10 mois après. Faut arrêter maintenant. Les mecs, les erreurs qu'ils font derrière, c'est pas à cause du Covid. Arrêtez maintenant aussi un peu là, avec le Covid. Il y a eu des absences à des moments charnières, Jackie. Il y a eu des absences, mais quand on prend 4 buts à Montpellier alors qu'on en met 3, les buts de la tête, les mecs ils sont tout seuls ou ils sautent pas et c'est pas ça. Vous citiez les points perdus. Jackie, prenez une tisane. Non, mais ça m'énerve d'entendre ça. Vous citiez les points perdus. On peut revenir au tout premier match à Lorient. Le Racing a plutôt la main mise sur la première mi-temps et s'écroule totalement en seconde. Physiquement. Voilà. Physiquement, tout le monde était carbo, personne n'avait de gaz.
C'était, ça a annoncé la saison. Mais ça a annoncé la saison, mais les cas de Covid, et je ne parle pas simplement sur l'aspect physique, mais il y a quand même eu des impacts, on le sait, dans le vestiaire, dans le club, ça a quand même fait tache d'huile et noir dans la gestion c'est surtout sportif. Mais tu sais que ça allait plus loin que sportif, ces histoires de cas de Covid. Ça allait plus loin que c'est monté à la tête à certaines personnes dans le club, qu'ils avaient peur qu'on pose des questions sur le Covid. Il y a combien de millions de personnes qui l'ont chopé cette saloperie ? Et on n'avait pas le droit de poser de questions sur le Covid à un moment donné. Ils n'avaient pas le droit de répondre à des questions. Moi, je trouve que c'est grave. Mais et ça a commencé à prendre la tête à tout le monde. Rappelez-vous de la polémique que ça a créée avec notamment Montpellier, sur le match amical, sur cette soirée improvisée et pas cadrée à Genève. Ça a quand même eu des remous dans le club. Ah oui. Ah ben oui, c'est ce que je dis. C'était une année de transition. Loré l'a chopé. Donc on avait tous les ingrédients. Les adjoints l'ont chopé, Kuenz l'a chopé. Là, au dernier match, les préparateurs physiques, ils n'étaient pas là parce qu'ils l'ont chopé. Sissoko l'a chopé. Non. Non mais, alors je vois Michael, qui va dans votre sens. Stop le Covid. On fait quand même le bilan de cette saison. Non, stop le Covid, mais au début, le bilan, t'es quand même impacté plus que les autres. On a quand même 10 joueurs à un moment qui étaient concernés. Voilà. Donc tu peux pas commencer un championnat avec 10 joueurs en moins. Forcément, le début du championnat, il a été impacté, c'est sûr. On fait le bilan d'une saison. Et sur les 10 joueurs, t'avais combien de titulaires arrêtés ? Il y avait pas les 10 joueurs. Au début, on savait pas qu'il y avait titulaires. Parce qu'on a bien vu. On a parlé du banc également. La profondeur de banc. Ben, en début de saison, c'était pas le cas. On pensait justement parce qu'il y avait CS, il y avait Motiba, il y avait. Mais sur votre. Motiba blessé. Par exemple, je vais prendre la défense de Nice. Contre nous, ils ont été minables. Il y a Dante, il n'a pas joué de la saison presque. Oui. Voilà, donc nous on peut dire si Macan n'a pas été blessé, mais oui, Dante, il n'a pas joué de la saison. Et je dis Dante par exemple parce que je pense à lui maintenant, mais d'autres clubs ont aussi des joueurs qui sont blessés de longue durée. C'est pas que Strasbourg, ça fait partie de la vie d'un club. Je vais dans votre sens, mais ça a quand même eu des sacrés remous au-delà du sportif en début de saison. Cette histoire de Covid et ces blessures, Cels, voilà, ça a quand même eu un impact. Ouais. Alors certes, Kawashima a fait le taf. Loris, il a été blessé gravement il y a une saison ou deux. Loris, il a été arrêté pendant 8 à 10 mois aussi, non ? Oui. Voilà, donc ça peut arriver à n'importe qui. Bien sûr, voilà. Mais bon, c'est pareil, Kawa, je l'ai vu se faire défoncer là il y a quelques jours sur un article qui a été fait par Hugo Burduche où les gens disaient qu'avec ses boulettes, face à Brest. Quelle boulette ? Mais il en a fait une, il en a face à Brest. Il en a peut-être deux, trois. Mais ça lui arrive aussi d'en faire une ou l'autre de temps en temps. Sûr, et puis, sûr. Rennes, s'il n'est pas là, on perd le match. Exactement, et on fait le bilan. Donc, c'est notre rôle. Un joueur comme Kawashima. Comment tu peux en vouloir un gardien comme ça ? Franchement, je n'arrive pas à comprendre. Mais notamment sur le poste de gardien, Kawashima vous a fait gagner plus. Mais bien sûr, tu ne peux pas lui en vouloir. On a fait jamais gagné. Tu ne peux pas lui en vouloir. C'est les gens qui critiquent Kawashima, je ne les comprends pas. Messieurs, le joueur de la saison côté Racing Club de Strasbourg, Ajorc, voilà, loin devant tout le monde. J'imagine, peut-être que vous avez une position de faire. J'en ai deux, trois quand même qui m'ont plu. Il y a deux postes très importants dans le foot, hein. C'est le gardien, il nous les empêche de rentrer, et puis celui qui les met au fond. Et quand on marque 16 buts dans une saison, c'est un pion indispensable à l'équipe. Pour moi, c'est lui le numéro un, parce que déjà, je pense que ça fait très très longtemps que ce n'est pas arrivé à Strasbourg. Oui. Et puis Ajorc, même s'il a eu des moments un petit peu moins bien, mais dans la situation où il joue souvent, on peut pas dire qu'il a toujours des caviars hein, pendant les matchs. Tout à fait. Et donc marquer 16 buts, c'est pas mal. Jonathan. T'es même bien. Ajorc, je mettrai également Djikou qui est en train de monter en puissance, qui a pris un vrai rôle de patron dans cette défense strasbourgeoise. Et j'ai bien aimé l'arrivée de Gilbert aussi. Qui a apporté à la place de moi. J'en ai donné qu'un, tu m'as pas dit les autres. Je n'ai pas compris la règle du jeu. Non, mais c'est vrai, Jackie, il a apporté un. Quand j'étais jeune, ça n'existait pas ces jeux-là, donc. Mais je suis d'accord avec toi, Gilbert et Djikou. A rapporté un peu de fraîcheur. Validé. Allez, les trois, Mohamed. Pareil, s'il a donné un nom, c'est Ajorc, sans hésitation. D'une par rapport à ses statistiques, et de deux par rapport au boulot qu'il est. Voilà, il fait sur le terrain défensivement, on le voit, il est toujours au four, au moulin, il est partout. Et puis l'état d'esprit qui a été irréprochable, je pense. C'est vraiment le joueur de cette saison. Donc, ça a l'air d'être un mec bien en plus. Je peux donner d'autres noms ou s'arrêter à un nom ? Non, c'est très bien, Mohamed. Donc je reste dessus. Monsieur Conrad. Persic.
Voilà, wow. c'est de l'ironie. Malheureusement, on aurait bien voulu le voir. Hein. Mais Ajork, évidemment. Ajork et Djikou, c'est vrai que. Mais Ajork, parce que. Il a joué tous les matchs. Parce qu'Ajork, il a de l'influence sur au moins un but sur deux, je pense, hein, minimum. À chaque fois, il est au moins dans la dernière passe ou l'avant-dernière passe, voire sur le but. Donc Ajork, c'est un miracle hein, si on garde. Hein. Moi, je vois pas comment. Tu me partais sur les stats d'Ajork. Il y a des pénalties qu'il a pas tiré, hein, pas l'oublier. Mais oui, il pourrait être à 20, peut-être à 18, tu vois. Il a loupé après. Tu vois, donc là, il avait tiré tous les pénalties. Il y a combien de pénalties cette saison ? 4, il en a mis. Il en a eu 5, il en a marqué 4 et il a loupé 1. Combien ont été tirés par d'autres joueurs ? Thomasson en a mis combien ? Thomas. Lala. Il y a eu Lala, il y a eu Dim qui a tiré. Waris en a tiré un. Tu laisses tous les pénaux à Ajork. Une dizaine de pénalties presque. Mais Ajork, parce qu'il a été le seul à mes yeux qui était régulier en fait, tout simplement. Ajork, parce qu'après, ouais, c'est le seul qui n'a jamais été mauvais, il n'a jamais loupé un match en fait, tu vois. Parce qu'après, le retour de Mitrovic, il faut le souligner. Énorme. Bellegarde a eu une très belle période, tu vois. Mais inconstant quand même. Oui, inconstant. Pas fixé sur un poste aussi. J'ai eu Mitro au téléphone ce matin là, et on parlait, et il me dit qu'il était. C'est quelqu'un qui se met rarement en avant, hein. Il parle toujours de ses coéquipiers et tout ça, du club, et qui était fier. Il me disait, franchement, je suis fier parce que c'était dur. J'ai été critiqué parce que les joueurs le voient, hein. Le coach le voit, les joueurs le voient, surtout les joueurs. Et il me dit, j'ai réussi à revenir quand même. C'était dur, mais j'ai réussi à revenir à mon meilleur niveau quasiment. Et franchement, ça fait un moment, parce que je vois toujours les mecs qui se moquent, le micro boulette, le micro glisse. Je n'ai pas vu d'erreur. Depuis qu'il était sur le banc, là. C'était ce match-là. Après, moi, j'ai hâte de. De voir Bellegarde et Diallo l'année prochaine, moi. Et puis il y a la révélation de cette saison. Et de là, j'ai hâte de voir. Ça reste quand même Simacan, la grosse révélation. C'est aussi Simacan, on n'a pas parlé parce qu'il part et forcément il a été absent sur les matchs, il n'était pas blessé. Mais sur les matchs où il était là. Après, Simacan, il a aussi un ou deux buts sur la. Il en a deux à Montpellier déjà. Donc bien sûr que Simacan, c'est la grosse révélation, mais non, mais. Et régularité, Ajork quoi. Jean-Michel nous parle du boulot défensif d'Ajork. Non mais Ludo Ajork, je pense que tous les coachs rêvent d'avoir ce genre de joueur. Bien sûr. C'est un attaquant complet. Hein. Et qui travaille pour l'équipe. Hein. Messieurs, l'heure avance et clairement on va avoir du temps additionnel hein, ce soir. On a démarré en retard. Oui, on a démarré en retard. Vous êtes très nombreuses et nombreux pour cette dernière de la saison. Alexander Djikou en une. D'Alsace Sport Magazine sur le mois de mai. C'est peut-être le moment de rappeler s'abonner. Les formules d'abonnement à Alsace Sport pour avoir plein d'exclusivités, notamment le fait d'avoir ce magazine qui est gratuit, mais de l'avoir directement chez vous pour un prix dérisoire. 24,90€ le moment avec le shopping. Non. Alors, c'est 24,90€ les 12 numéros que vous recevez chez vous dans votre boîte aux lettres. Ça vous permet aussi d'avoir moins 50% sur l'abonnement web parce que je me répète vraiment, on nous a souvent critiqué par l'apport de la publicité sur notre site. Ben, il y a une structure, il y a des salariés, il y a tout ça, donc on est obligé de faire à un moment donné, chercher de l'argent quelque part. Donc si vous voulez plus de pub, il faut vous abonner sur le web, c'est 20€ par année ou 10€ si vous êtes déjà abonné au magazine. À souligner que le magazine va évoluer en septembre, oui. Ben, une vraie évolution, il sera plus épais. Par contre, pour ceux qui ne seront pas abonnés, il va passer payant. Voilà. Exactement. Beauté. On aimerait bien continuer à le faire gratuit à Vita Eternam, ça fera deux ans qu'il sera sorti à ce moment-là. Hein. Et voilà. Et vous savez, c'est ce qui nous a permis de prendre un abonnement, c'est ce qui nous a permis de mettre un dispositif exceptionnel hier. Personne n'a fait un tel dispositif hier. C'est pas pour se gargariser ou pour se caresser dans le sens du poil, c'est pas ça. Mais je veux dire, on a mis des moyens techniques, des moyens humains hier en place. Et ça aussi a un coût. Et le matériel, ça a un coût. Voilà, c'est. Oui, et puis il y a de la qualité aussi dans ce magazine qui ne parle pas que du Racing Club de Strasbourg. Il y a aussi beaucoup d'actualités sportives alsaciennes. Et donc forcément, pour avoir plus de qualitatif, il faut avoir plus de moyens. Et donc c'est un modèle économique qui peut bien se comprendre également aussi. Ça, il y aura aussi sans doute moins de pubs. Il sera plus épais. Et il sera plus épais, exactement. Voilà, on va passer un moment où je pense qu'on va prendre beaucoup de temps à en parler également sur les réseaux sociaux, vous qui êtes derrière votre écran. L'aurait jusqu'au bout. Alors, lorsqu'on a fait les thèmes de cette émission, c'était juste avant l'annonce officielle du Racing Club de Strasbourg de la fin de l'aventure pour Thierry Loret du côté du Racing Club de Strasbourg. Mais cette dernière allocution de Thierry Loret lors de la conférence de presse, ça nous a laissé sur notre fin un sentiment assez désagréable sur cette fin de parcours de Thierry Loret. 5 ans, 1400
54 jours sur le banc du Racing Club de Strasbourg, un titre de champion de L2, 4 saisons en L1, et puis une Coupe de la Ligue en 2019. Voilà, c'est bon, quand même une fin de parcours quand même assez étrange. Ça nous laisse un goût amer. Jackie, qui veut commencer d'ailleurs? Qui veut prendre la parole? Ouais, je peux. Hein. Tout le monde en veut parler. Mais moi, je l'ai... Après, je vais enlever le fait qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Moi, là-dessus, j'ai pas d'avis à donner. Mais j'ai été très déçu du silence assourdissant de la direction sur ces dernières semaines. On l'a laissé seul. Après, une fois de plus, on l'aime ou on l'aime pas. Il a été seul, tout seul face aux critiques. Hier, j'ai été surpris par... Il n'était pas agressif, mais il était pas souriant pour un garçon qui vient de se maintenir. Mais maintenant, je commence à comprendre pourquoi. Et on l'a encore laissé seul hier pour une conférence de presse, en nous faisant croire que c'était pas décidé. Peut-être qu'il y croyait, j'en sais rien, quoi. Et j'aurais trouvé ça tellement classe qu'il ait une autre sortie. Une fois de plus, on l'aime, on l'aime pas. Mais que hier, on l'accompagne. Et peut-être qu'on fasse quelque chose de propre. Parce que là, finalement, maintenant, on est déjà sur la saison prochaine. L'oreille n'est plus là. Et c'est comme ça, quoi. Enfin, je trouve ça désolant, quoi. Mais c'est à l'image de cette fin de saison, de cette saison, tiens, en termes de communication. Voilà, c'est ça. C'est le bouquet final d'une saison, d'une mauvaise saison de communication. Mohamed. Déjà, merci pour ce qu'il a fait. Il a quand même rempli tous les objectifs depuis le début où il est là. Voilà, il a quand même ramené une Coupe de la Ligue. Il a monté le club en Ligue 1. Il a maintenu le club en Ligue 1. Mais derrière, il y a l'homme. Et l'homme, moi, vous savez que j'ai beaucoup de mal. Hein, parce que voilà, il m'a beaucoup agacé. Et voilà, c'est là-dessus où je le critique. Mais sinon, voilà, il a quand même rempli ses objectifs. Mais je pense qu'il est temps de changer de coach. Son discours, à mon avis, il a du mal à passer. Ben, Jonathan l'a confirmé, hein, donc il a des sources un peu plus proches que les miennes, hein, depuis 2 ans maintenant. Non, il faut un nouveau vent de fraîcheur, il faut une nouvelle dynamique, il faut un nouveau coach, clairement. Donc je pense qu'il a fait de belles choses. Attention, hein, si ça se trouve, on va le regretter dans 6 mois, on ne sait pas, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, je pense qu'il est temps de changer. C'est le moment de tourner la page. Jonathan, je vais peut-être lire un message qui est assez juste, je trouve, Jem, qui nous dit « Il a été... le bouc émissaire de cette saison. » Et c'est vrai, c'était le seul sur le front médiatique. Alors certes, il a aussi engendré ce genre de réaction, le fait d'avoir aussi des commentaires négatifs et une presse un peu, pas agressive, mais qu'il a un peu piqué à un moment donné. Loin de ce que certains entraîneurs ont pu avoir à une certaine époque, Jackie. On ne peut pas comparer les époques, je pense. Est-ce qu'il était trop seul? Et le bouc émissaire facile? J'ai du mal à me prononcer là-dessus. Déjà, je ne vais pas forcément me faire de grands amis. Déjà qu'on n'a pas eu le droit à un joueur alors qu'on nous avait promis un joueur en plateau dès lors que le Racing serait maintenu. Alors, je peux entendre que le Racing soit maintenu la dernière journée. C'est peut-être compliqué en termes de logistique. Peut-être que les mecs ils veulent partir en vacances. Voilà. Ça, je respecte. J'ai aucun souci avec ça. Je comprends. Maintenant, Marc Keller est un joueur que j'ai adoré. C'était un dirigeant, quand il est arrivé, qui a fait le taf, qui fait un travail énormissime au Racing Club de Strasbourg. Mais je trouve que, pour quelqu'un qui était déjà au courant que le courant ne passait plus entre les joueurs et le coach, j'ai du mal à saisir, hormis un côté financier qui arrangeait un peu tout le monde, de le prolonger d'une année. Est-ce que c'était l'effet Covid qui a fait penser aux dirigeants de dire bah, « finalement, on va le prolonger ». C'est pas une critique contre les dirigeants, je me permettrai pas. Moi, je suis pas dirigeant d'un club, je sais pas comment ça fonctionne et j'ai pas les qualités pour. Cependant, je sais, en interne, que les joueurs n'en pouvaient plus depuis un petit moment avec Thierry Loret. Ça veut pas dire que c'était Loret le mauvais. C'est peut-être les joueurs, les caractères, les machins. Mais à un moment donné, et Jackie l'a connu, Jackie a connu 1000 fois plus ces moments-là que moi. Mais je veux dire, il y a un moment donné, tu sens quand le groupe n'y est plus. Je sais, et en plus, il n'y a pas eu de recrutement, ou très peu. Là, il aurait fallu faire. Si tu veux garder ton coach, il faut qu'il y ait une lessiveuse. Il faut que tu remplaces la moitié de l'effectif pour apporter un vent de fraîcheur. Que les nouveaux joueurs qui arrivent, ils soient derrière le coach, qu'ils adhèrent au discours. Et là, ça n'adhérait plus. Et c'est là où j'ai un peu plus de mal à comprendre la prolongation. Tout en, je précise, parce que je ne veux pas que ça soit mal perçu, et c'est dur de trouver les mots justes à ce niveau-là, que les dirigeants, ils ont fait... ce qu'ils pensaient le plus juste. Ils l'ont fait dans leur intérêt, dans l'intérêt du club, et ça a fonctionné, le Racing s'est maintenu. C'était ça l'objectif. Maintenant, je trouve que la sortie de Thierry Loret, elle n'est pas à la hauteur de ce que l'homme a fait, tout comme la sortie de Jackie n'était pas à la hauteur de ce que Jackie avait fait. Voilà. Moi, je vous le dis comme ça.
Jackie, sur cette saison de Thierry Loret et puis sur tout le parcours sur le banc du technicien. Ouais, d'abord chapeau, hein. Tenir 5 ans à Strasbourg, c'est du jamais vu tout simplement, hein. Je pense qu'il a éclaté tous les records à ce niveau-là, et si on le sent un peu tendu, un peu fatigué, je peux le comprendre. Je pense que ça n'a pas été facile pour lui. Quant à ses relations, quand le président il le prolonge d'un an, c'est que, à mon avis, dire maintenant que ça fait 2 ans qu'il y a des problèmes entre l'entraîneur et les joueurs et on le prolonge, ça me paraît bizarre. J'y crois pas trop. Dans le club, je pense que les personnes les plus importantes, c'est ce président-entraîneur. Cette relation, elle doit être totale, en parfaite adéquation. Et je pense que c'est fini maintenant, et ça a été prouvé. Mais je suis pas sûr que... Je veux dire, quand moi j'étais avec le président, je parlais avec lui pratiquement tous les jours, on se voyait, ou le matin du match, ou la veille du match, et des fois j'hésitais avec l'un ou l'autre, je parlais avec lui. Je sais pas s'ils ont eu les mêmes relations. Bon, moi j'ai eu le président comme joueur aussi, peut-être c'était un petit peu différent. Mais je faisais quand même ce que je voulais, mais j'avais des... Voilà, et puis après, à un moment donné, on atteint les objectifs et l'histoire, elle se termine, et le président, il reste à sa place, c'est sa façon de fonctionner. Voilà, il n'est pas intervenu, il aurait pu très bien... Quand j'ai repris en national, c'est parce que l'entraîneur d'avant moi a été viré, et vous savez qui c'était l'entraîneur d'avant, c'était non seulement l'entraîneur, c'était le frère du président. C'est-à-dire que si le président il estime qu'il ne veut pas reconduire ou il ne veut pas prolonger un entraîneur, il ne l'a pas fait pour faire plaisir à Thierry Loret ou pour déplaire aux joueurs. C'est qu'il pensait que ça allait continuer avec justement une même équipe soudée, que ça allait fonctionner et progresser. Ça n'a pas été le cas. Voilà. Mais je ne pense pas qu'il y a eu de... moi, je vois pas ça tout à fait comme ça. Maintenant, c'est vrai que bon, bah, le monde du foot, une fois que c'est fini, tu as pu faire tout ce que tu as voulu et atteint tous ces objectifs qu'il a atteints. Je veux dire, dans le foot, il n'y a pas de remerciements. C'est comme ça. C'est le monde qui est comme ça. Ça peut choquer. Moi, ça me choque pas. La différence entre la fin de match de Lorient avec une photo de groupe et une ambiance et des chants et la fin de match du Racing qui se maintient aussi au-delà de la minute, plus la conférence de presse où Loret est seul, moi ça me donne l'impression d'une ambiance dégueulasse. Je suis désolé, je suis comme ça. Il y avait une photo de groupe du Racing. Mais on n'a rien à voir, parce que genre, je ne l'ai pas vu quoi. Il y a en fait, ça me donne l'impression. Avec le staff, juste les joueurs sur le terrain, ouais, sur la pelouse. Ça me donne l'impression d'un. Et c'est une fausse impression, parce que je pense que ce n'est pas ça du tout, mais ça te renvoie à l'image d'un groupe ou d'un club qui a une mauvaise ambiance. Pas une fausse impression. C'est pas une fausse impression, je suis sûr que c'est vrai. Mais pas à ce point-là, tu vois, mais de laisser comme ça ton entraîneur, il a pas de sortie, il a rien, il est tout seul en conférence, et là, il est en train de faire ses bagages et il rentre chez lui. Il a dit quelque chose en conférence de bizarre, quoi. De bizarre, il a dit comme quoi, à un moment donné, quand il parlait de l'histoire avec le journaliste de l'équipe, il disait que là, pour le coup, il était pas soutenu. Et je sais pas ce qu'il a voulu sous-entendre. Il y a eu quelques pics dans cette conférence de presse. Je pense la différence aussi avec Lorient, c'est que Pellissier, il est encore en poste l'année prochaine. Ah oui, donc c'est pour ça aussi que le président était venu. Et est-ce que c'était tout de suite après au président de venir dire bon bah on se quitte entre... Non, je pense pas non plus. Voilà, donc c'était pas... Moi je pense que c'était pas la place non plus. Je pense que ça aurait pu être annoncé par exemple avec une conférence de presse ce matin ou ce matin faire une conférence de presse comme nous on avait fait à l'époque le lendemain du match, tu fais une conférence de presse pour où il y a le président qui est assis comme ça s'est fait avec moi, même si ça s'est pas passé tout à fait comme il souhaitait, mais comme ça s'est fait. Je pense que c'était quand même... je sais pas si tu y étais ou... Là, on n'a rien, hormis un communiqué sur Twitter. Et parce que j'ai l'impression que le club verrouillait la communication et que c'est mieux de donner comme ça en pâture. Et non, mais je pense qu'à un moment donné, la direction qui s'exprime et qui remercie devant la presse le travail de Loret pendant 5 ans, ça aurait été un minimum de classe. Quoi. Mais là, peut-être qu'il y aura quelque chose, je sais pas. Ah, mais c'est trop tard. C'est comme ça que je le vois. C'est trop tard. C'est surtout quand vous entendez un Thierry Loret dire... j'ai rendez-vous mardi avec... donc ça, c'était hier soir. C'est dingue. Loret, il sait déjà depuis longtemps qu'il ne sera plus entraîneur, Loret. Non, mais peut-être. Non, mais Jackie,
Après, le fait de ne pas l'annoncer avant la fin. Oui, ils le savent. Mais je suis d'accord avec vous. Mais c'est qu'il n'avait aucune information sur quand est-ce que serait communiqué par le club la fin de cette aventure. Donc, quand vous envoyez votre. Ah, je ne peux pas croire que c'est à ce point-là. Non, mais il s'est quand même. En disant ça, mardi, ou alors, ça s'est encore. Mais le timing. Hier soir à minuit, il dit on se voit mardi avec la direction. Et cet après-midi, le club, il dit on arrête. C'est bizarre quand même. Il dit ça, alors je pense qu'il avait quand même un schéma dans sa manière de communiquer. Par rapport, non, j'y crois absolument pas. Il fait exprès. Je pense qu'il avait son schéma pour communiquer dernière à la presse. Dernière pirouette. Voilà, ouais, c'est ça, pour dire je ne vous dirai pas que c'est la fin de mon aventure. Vous en saurez un peu plus tard. Il donne une échéance mardi. Et donc le lendemain, quelques heures plus 12 heures après. 12 heures après, même pas, 10 heures après. Le club communique. Avec un pauvre truc, 4 lignes, quoi. Vous avez quand même un tiré l'oreille qui est pas loin de l'humiliation. Je suis désolé, mais c'est le ressenti que j'ai quand même derrière. Moi, je pense que ce matin, ils auraient pu... Parce que ce matin, les joueurs, ils sont pas partis en vacances hier soir. Oui. Hein. Les joueurs, ils se sont revus, là, faire un petit... Pas tous, mais ceux qui... Enfin, je pense ceux qui sont en fin contrat, ils reviennent à la méno pour les entretiens individuels. Voilà. Et donc, il aurait pu y avoir une... La presse est convoquée à 10h ce matin, et puis conférence de presse avec l'entraîneur et le président, là, comme que l'oreille ne soit pas conservée, à la limite. C'est pas rien de choquant. Maintenant, tu sais pas... Moi, je pense qu'il y avait des bonnes relations entre eux. Peut-être qu'il y en a plus, en fait. Mais c'est l'impression que j'ai. À mon avis, le climat est délétère entre l'oreille et le reste du monde, quoi, entre guillemets. C'était un peu moins fun à la fin. Vous êtes très nombreuses et nombreuses ce soir. Vous l'étiez aussi hier. Il y avait énormément de monde pour écouter la conférence de presse. Et jusqu'à minuit. Voilà, donc Thierry Loret était le dernier. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait énormément de monde qui était intéressé de savoir ce qui allait se dire, et notamment les paroles de Thierry Loret. Les gens étaient là pour attendre. Et d'avoir ce spectacle-là, et 10 heures après la communication en quelques lignes du Racing Club de Strasbourg, et Thierry Loret qui vous dit dans cette conférence de presse « Je vais voir les dirigeants mardi », je suis désolé, ça fait tâche. Mais moi, j'étais persuadé qu'il allait avoir une conférence. J'étais persuadé que j'allais recevoir un mail pour dire qu'il allait avoir une conférence de presse. Maintenant, c'est pas à moi de juger la communication pas du club. Le club annonce que c'est fini avec Thierry Loret. Je sais aussi que c'était compliqué entre Thierry Loret et certains salariés du club. Ça devenait un peu pesant. Hein. Je gère très clairement. Hein. Thierry Loret, il a son caractère. Hein. Moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai jamais eu vraiment de pépins. Hein. Genre, en début de saison, c'était un peu frité. Il m'avait un peu renvoyé dans les cordes quand j'avais demandé s'il manquait un aboyeur. Bref, question qui lui a pas plu. Ça s'est réglé. Tout le reste de la saison, il a été plutôt clément à mon égard. Pardonnez-moi du terme, je ne l'ai pas léché. Hein. Je n'ai pas fait du lèche auprès de lui, contrairement à ce que certains confrères pourraient penser. Moi, je pense que j'ai voulu toujours avoir cette attitude correcte avec lui, respectueuse. On s'envoyait des messages de temps en temps pour discuter football. Et ça s'arrêtait là. Maintenant, c'est comme ça, c'est la fin d'une ère. C'est la fin d'une ère. Ça aurait pu être un peu plus classe là-dessus. C'est ça, en fait. Je vous rejoins, ça aurait pu être plus classe. Et je l'ai dit tout à l'heure, ça aurait pu être plus classe. Mais enfin, Jackie a eu la conférence de presse, mais... Ouais... Est-ce qu'il n'est pas surprenant aussi? C'est du football, c'est du football. Non, mais tu sais ce que je disais hier soir? J'ai l'impression que la communication dans le football, on est en train de parler de gens qui sont entre la vie et la mort par moment, et moi, ça me gave. C'est que du football. C'est que du football. Pourquoi on en fait des caisses? Pourquoi est-ce qu'il y a des secrets défense? C'est que du football. Alors oui, c'est des sociétés. Il est surprenant que Thierry Loret, sachant effectivement la fin de son aventure, ne prenne pas l'initiative, comme vous l'avez pris aussi, vous, à votre époque, de dire voilà, son ressenti et la fin d'une aventure. 5 ans, quand même, c'est quelque chose dans une vie. Ah ouais, non, mais c'est... Ouais, c'est bizarre qu'il ait pas pu s'exprimer là-dessus, parce que d'abord, c'est beau ce qu'il a fait, c'est bien ce qu'il a fait, il a rempli tous les objectifs. Après, de toute façon, l'entraîneur, hein, quand ça marche pas bien l'équipe, hein, c'est lui qui prend les claques. De toute façon, donc il est comme tous les autres qui sont passés avant, et puis ça sera pareil où il ira après. Si ça marche, quand il gagne la coupe, c'est le meilleur, et quand il joue pour pas descendre, c'est un mauvais. Mais ça, c'est quand on est entraîneur, on le sait, quoi. Sinon, tu fais pas ça, tu fais un autre métier. Et est-ce que ouais, il n'y a pas eu de. Alors peut-être qu'en interne, il y aura une réception qui sera faite en de son départ. Non, mais une carte cadeau, j'en sais rien. Mais c'est vrai que vis-à-vis de la presse,
si c'est pas fait, c'est un peu surprenant. Quoi. C'est un peu surprenant. Après maintenant peut-être que lui il veut pas non plus, hein, Thierry. Bien sûr, c'est peut-être. Mais parce que lui il a pas dit. Moi, vous allez pas me dire. C'était là quand il est venu en salle de presse. Thierry Loret. Il a préparé un discours, mais non. Il était. Peut-être que lui il veut pas. Il était froid. Il était. Peut-être que lui voulait pas. Mais tu mais il avait hâte que ça se termine à mon avis. Se maintenir quoi, un petit sourire. Thierry Loret, c'est Thierry Loret, le reste du monde. Quelle trace laissera Thierry Loret dans l'histoire du Racing? Une bonne trace, bah, malgré tout. Tu peux pas lui reprocher ça, non? Il a fait son job. Ligue 2, Ligue 1, maintien. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça fait la quatrième année. Non, on va jouer une cinquième année consécutive en Ligue 1. Ouais. Tu peux rien dire. Il y a 10 ans, tu te rappelles où on était, hein? Oui. Non, mais tu peux rien dire par rapport à ça. Non. Ce qu'il faut, c'est... C'est pas le seul, hein. Il fait partie de la trempe des entraîneurs qui ont apporté quelque chose de positif à ce club. Pour moi, il fait partie de l'histoire du Racing. Et voilà, on sera reconnaissant à juste titre. Ce qui est une première dans le 21e siècle. Hein. 5 saisons consécutives du Racing Club de Strasbourg en Ligue 1, ça ne s'est jamais produit. Mais je crois même avant. Hein. Bah, en tout cas, sur le 21e siècle. Quand même en 20e. Hein. Peut-être pas. Si, bah, en 20e, si, quand même. Non, mais sur l'après-guerre, j'ai un doute. J'ai des statistiques là-bas. Tu jouais, tu te rappelles plus parce que tu jouais, t'étais pas encore journaliste là, c'est ça? À cheval sur les années 70 et 80, si. J'ai un petit doute. Des statistiques. Je te dis, j'ai des chiffres parce que. On est descendu en 74-75. Mais le club remonte en 77. 76-77. Donc il y a 77-78, 78-79, 79-80. 80-81, il y a 80-82, ça c'est sûr. Je pense que le club est encore en Ligue 1 en 83 et descend en 84. Un doute. On va regarder ça dans les archives. Voilà, bon bref, c'est de l'anecdote, mais c'est quand même pour dire. De toute façon, c'est sûr que le Racing a fait du yo-yo pendant de nombreuses années. Hein. Mais il n'y a pas que lui, hein. Et c'est ce que je lui posais comme question hier soir. Il y a des mecs comme Dim, peut-être qu'on les reverra plus au maillot du Racing. Hein. Oh, et puis il y a aussi les années 90, maintenant ça me revient. Lui, c'est 8 ans. On remonte en 92. Ouais. On remonte en 92 et la descente jusqu'en 2000. Il n'y a pas eu de passage en Ligue 2 de 1992 à 2000. Moi, je parle de coach. Excuse-moi. 5 saisons consécutives. Autant pour moi. Autant, je croyais d'un entraîneur. Non. J'avais compris que tu avais dit 5 années consécutives d'un entraîneur. Oui. Parce que ça, c'est le record. C'est pour ça que je comprenais pas. Non, de présence en Ligue 1. De présence. Autant pour moi, mais jamais produit dans l'histoire du club de Strasbourg dans le 21e siècle. C'est pas compris. Voilà. Moi, j'ai voulu une passe en profondeur. Tu m'as fait une passe en retrait. Voilà. Comme ça, on s'est pas compris. Ouais. Messieurs, on va refermer la parenthèse Thierry Loret. Voilà, je pense, et vous le pensiez aussi, que c'était important de revenir sur cette dernière conférence de presse parce que 5 ans, ça marque un club. Imaginez que la décision au niveau de la direction, elle est prise depuis longtemps. Qui est probable. Parce que le recrutement, ils vont pas le commencer maintenant. En disant, on a dit à Thierry Loret qu'il arrête. Voilà. Bien sûr. Je pense que Thierry Loret, lui aussi, sans doute, à mon avis. Je vous dis que si les bureaux n'ont pas changé, qu'il était enfermé dans son bureau et ça parlait à côté, il a entendu. Loret, on est d'accord. Il a entendu ce qu'il dit. Tout le monde le savait. Bah oui. Allez. Très bien. Perspective et boule de cristal, parce que bon, on n'a pas grand chose à vous dire, à vous annoncer sur les contours du match. Ah non, on parle pas du match. Si ce n'est les fins de contrat, la liste va être donnée par Jonathan Lebling lorsqu'il aura lâché son téléphone. Je vérifie parce que j'attends des infos. Hein, et un carton jaune. Donc Koné, Liénard, Carole, Zoe, Kawashima, et il y en a d'autres qui sont en fin de contrat. Et les prêts. Il va y avoir une grosse lessiveuse, sans doute. C'est à moi la question. Jonathan, c'est pas vous qui êtes journaliste qui avait la carte de presse. J'attends une réponse importante d'une information. Déjà les prêts, pour commencer les prêts. Oui, les prêts. Il n'y a pas d'espoir. Aoulou. On est d'accord. Aoulou repartira. Non, parce que Guilbert, on l'aimerait tous, forcément, mais c'est... Faut pas arrêter de se voler la face. Économiquement, c'est impossible au niveau du salaire. Lui, il consente une baisse de salaire drastique. Le club accepte de le vendre pas trop cher. Ça fait quand même beaucoup de conditions. Je prends pas une seconde. Après, Aoulou, t'es pas un laboratoire. Je disais tout à l'heure. Koné, il était en Angleterre, il est venu à Strasbourg. Hein. Ouais, mais Koné est en 3ème division d'Angleterre, Jackie. Peu importe, c'est l'Angleterre quand même. Non, mais Jackie, je suis d'accord, je le sais, mais la 3ème division et la Première Ligue, il y a un univers. Il faut qu'il coupe son salaire en deux et revende derrière. Tu es gentil en deux, hein. Ouais. Il se fasse payer au mois et plus à la semaine, quoi. Voilà. Ce qu'il touche à la semaine, il le touche au mois, voilà, c'est ça. Non, j'ai du mal à y croire. Après, vraiment, déjà, on ne sait pas ce qui va partir. C'est ça, surtout, ça dépend. Demain, si tu as une offre, je spécule.
Demain, tu as une offre à 25 millions pour un joueur que c'est tu recrutes pas pareil, hein. Hein. Je pense que ça risque d'arriver. Je sais pas. C'est possible. Pour moi, ça tient du miracle un gardien genre, avec la saison qui vient. Non, mais justement, mais après, il faut que l'offre elle soit. Ouais, bon. Enfin, à genre, tu laisses pas partir à 15 millions. Pas en dessous de 20. C'est 20, d'accord. Non, mais voilà. 20. Mais si demain, tu le vends à 20, 25, là, tu recrutes pas pareil. Hein. Bah, évidemment. Maintenant, c'est ce qu'on avait fait avec un tarif là, ça sera pas en France. Hein. Non. On a des messages sur Dimitri Yénard. Pour l'instant, il n'a pas re-signé. Vous ah non. Confirmez ça. Ah oui, je vous confirme. Je pense qu'il va pas re-signer avec ce contrat. Ça dépend ce qu'on lui propose. Ouais. Ça dépend ce qu'on lui propose. Quoi. Non, mais... Et Dim est prêt à faire un effort financier. Voilà, ça c'est de l'info. Dim est prêt à faire un effort financier. Ce qu'il y a, c'est que un an, c'est inintéressant. Et Marc Keller a déjà fait cette proposition-là à Alexandre Oukidja à l'époque, à Pablo Martinez, à Anthony Gonçalves. J'ai un petit doute. Mais c'est des prolongations de un an qui sont proposées. Alors qu'il peut avoir deux ans. C'est pas intéressant pour lui à son âge. Donc il faut qu'il s'en aille. Si, c'est un an. Ça serait vraiment dommage quand même. J'ai eu un message Dimitri à Lorient. Non, mais tu vois, on pourrait lui proposer un long contrat et une reconversion derrière dans le club. Je crois pas. Tu vois, dans... Parce qu'il a ça serait intéressant aussi. Ça spécule parce qu'il a discuté avec Pélissier hier. Il n'ira pas à Lorient. Qu'est-ce qu'il irait foutre à Lorient? Pêcher. Et un peu de respect, s'il te plaît. Non, mais c'est pas ça, Jackie, je veux dire, il va pas aller à Lorient. Enfin, je. Mais pourquoi pas? Si tu vas deux ans à où? Bah, pourquoi? Ils vont jouer. Parce qu'il y a d'autres endroits plus au soleil qui sont plus intéressants pour lui. D'accord, donc c'est Fabien Carlé, que l'on salue, nous dit Diallo a été recruté pour anticiper le départ d'Ajorque. Il a pas tort. Moi, je pense aussi qu'au début, quand il a recruté avec le profil un peu similaire, il pensait déjà, je pense qu'il avait un coup d'avance sur un éventuel départ d'Ajorque. Et c'est possible, hein. On a vu ce qu'il a fait à Metz quand il jouait seul devant. Why not? On va pas repartir avec seul, un mec seul devant, on arrête de jouer à 5 pour rejouer avec un attaquant, les gars. Forcément, mais on a un centre pur. Pourquoi pas? Bon. C'est le nouvel entraîneur qui décidera. Exactement, et c'est une bonne transition. Tout cela dépend du futur technicien, le successeur de Thierry Loret. Alors, ça fait des semaines et des semaines et des semaines que des noms circulent. Et on voit toujours du brouillard. Voilà, on n'a aucune information sur... Et donc, tout ce qu'on peut dire, là, ça sera... Ça, des spéculations. Voilà. Bon, garde... Voilà, on ne sait pas. Voilà, c'est impressionnant. C'est terrible. C'est ça qui est terrible. C'est complètement délirant qu'à notre époque, on arrive à garder une info aussi secrète. Parce qu'il y a des gens qui savent, c'est sûr et certain. Ils seront une poignée, peut-être. 4, 5, je ne sais pas. Non, peut-être plus, intéressant. Quoi, non. Mais tu vois, il n'y a rien. Ouais. L'agent, puisque les entraîneurs ont aussi des agents. Il y a un qui filtre. C'est impressionnant, quoi. Je veux dire, moi, je chapeau. Franchement. Moi, je pense qu'au club, il doit y avoir. Allez. Trois. Trois personnes, plus deux très proches du président. C'est peut-être vous, hein. Le futur. Vous n'êtes même pas encore au courant. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi sur Ajor, que je pense aussi qu'on va avoir du mal à le garder. Bah, oui. L'attaquant qui met 15 buts, il n'y en a pas. Là. Je pense que. Bon, alors sur le technicien, bon, on va pas s'aventurer, mais bon. Garde. T'as vu la liste quand même? Non, mais il y a une liste. Et en plus, non, mais c'est surtout qu'en ce moment, il y a un vrai turnover en France. Mais c'est ça. Tu vois, si t'avais maintenant deux clubs qui changeaient d'entraîneur. Là, ça va valser, là. Mais là, ça va être la valse des entraîneurs. Et des coachs qui ont le DFP, le diplôme d'entraîneur de footballeur professionnel, il n'y en a pas non plus 50. Ouais, mais alors, parfois, t'as les prêts, c'est pareil. C'est pareil. On parle de David Bey, on parle de tous ces entraîneurs-là qui démarrent. Est-ce que. Moi, j'aimerais bien le voir entraîner, mais. Pas chez nous, hein. Pas à Strasbourg, mais parce qu'il. On parle de Valérien Ismaël qui fait un truc énorme en Angleterre, mais jamais de la vie viendra chez nous. Non. C'est encore une fois une question de salaire. Alors oui, peut-être qu'il aime Strasbourg, et encore, je suis pas sûr. Mais en plus, les mecs, ils vont pas diviser leur salaire par deux. Bah oui. Ouais, Valé, il a changé pas mal de clubs quand même. Il a du mal à finir ses contrats. Et Allemagne, Autriche, Angleterre. Et je suis surpris qu'il soit entraîneur, parce que s'il a des joueurs comme lui, il était. Après. Après, là, moi, la seule chose que je pense, c'est que effectivement, t'es pas à l'abri d'une surprise sur le naming. Enfin, sur le standing du coach, t'es pas à l'abri non plus d'une surprise. Si ça se trouve, parce que Marc Keller a quand même un réseau comme ça, grand comme ça. Attention, hein, ce geste-là, comme mon bras. Il a un réseau énorme. Il a un réseau énorme, Marc Keller. Et bien sûr. Et on n'est pas à l'abri d'une surprise sur le standing du futur coach. Peut-être un étranger, hein, puisque c'est la mode. Hein. Bah, c'est Allegri. J'y crois pas trop. Mais sur le profil. C'est bien, hein. Le profil de l'entraîneur. Est-ce qu'on aura de Thierry Loret? Il prendra quelqu'un qui connaît. Je pense qu'il va.
prendre quelqu'un. Tous qui... Ouais, des gens qui... Ouais. Je pense que par exemple, Rémi, ils étaient très proches l'un de l'autre. Trop quand proche, ils étaient joueurs. Ouais, je suis d'accord, mais ça peut être à double tranchant quand t'as quelqu'un de si proche. Non, non, si non, ça non. Va pas, comment après, tu c'est une question de confiance et de compétence. Oui, hein, Rémi, et Rémi oui, Garde, c'est quelqu'un de compétent. Hein, je suis désolé. Hein. Moi, j'ai pas dit le contraire, mais même si, ça va pas. Même s'il est pas. C'est quelqu'un de compétent. Peut-être c'est pas lui, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Il y a une rumeur à un moment donné sur Lucien Favre. Non, mais il y a peut-être des échanges, t'es pas à l'abri, il est en train de personne. Tu vas vendre une partie de la cathédrale là. Bah, ça dépend. S'il a rien. De mieux. Stéphane aussi, on peut en penser que. Bon, c'est pas impossible, Stéphane. Il faudra quand même une bonne réputation sur le marché. Ouais. Ouais. Quand ouais, c'est un bon coach. Bien sûr, mais attends. C'est ça, Stéphane. Non, oui, Stéphane et Favre. Qui était à Dortmund et qui a fait un beau parcours avec Nice aussi. Non, mais il y a des entraîneurs maintenant. Tu parles pas parler des coachs, on a, hein, on n'a pas la liste là. Mais futur entraîneur, les joueurs, ouais. Enfin, déjà, faut voir les. Ouais. Je pense pas qu'il prendra un qui débute. Je pense pas non plus. Je pense pas non plus. Et... Mais bon, on parle sans savoir, de toute façon. Ouais, mais la vraie question, c'est de savoir quel entraîneur peut faire mieux que Thierry Loret. Elle est là, la vraie question. Il aura plus la même équipe. Ouais. Est-ce qu'il faut un entraîneur manager? Alors certes, aujourd'hui, les entraîneurs ont une ribambelle d'adjoints et finalement ont moins ce côté terrain qu'ils pouvaient l'avoir il y a encore quelques années. Mais sur le côté manager, est-ce qu'il ne manque pas une pièce dans l'organigramme du Racing Club de Strasbourg? On reprend l'exemple de Thierry Loret qui était un peu seul. Mais il y a Mangan. Et Mangan, il sert à quoi alors? Mangan, il est là pour faire le tampon entre les joueurs et les coachs. Mais ça sert à quoi? C'est un coordinateur sportif, c'est pas un directeur sportif, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Ça sert à quoi ça? Non, mais... Le tampon et les adjoints, ils servent à quoi? Ça sert que ça se passait mal entre Thierry Loret et moi, je suis parti du Racing en 2006, alors je pouvais rester parce que Eugène Estay, il m'avait mis un mec comme ça. Il voulait mettre un mec comme ça et j'ai pas voulu. Ce mec, il fait le tampon, et t'as pas besoin de tampon, hein, t'as tes adjoints et toi, t'es direct. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas. Je pensais pas non plus. Un directeur sportif, quoi. Non, mais moi, je pensais pas non plus. Des joueurs m'ont dit que c'était important. Je n'y croyais pas. Et certains joueurs m'ont dit que c'était important de l'avoir. S'il y a quelque chose à dire, il vaut mieux venir voir l'entraîneur que de passer par. Oui, mais sauf quand c'est compliqué de discuter avec le coach. Ah, peut-être. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça à Strasbourg. Moi, je pense qu'il faut un coach qui ait la main sur tout. Sur son équipe, sur le. Ouais. Voilà, qui. Je pense que voilà, c'est quand même un club familial. On a déjà eu du directeur sportif, hein, non, voilà, le Roi, Bielankowski. Je pense pas que ça marcherait. Le directeur sportif, il devient coach. Le coach doit avoir les pleins pouvoirs sur le reste, et c'est tout. Là, j'aurais bien voulu voir, moi, c'est Quentin Martins. Hein. Moi, j'aurais kiffé le voir. Hein. Qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations avec la Mauritanie. Hein. C'est peut-être, pareil. Peut-être qu'il est sur la liste, on sait rien. Ça aurait été beau. On verra. On va me demander si celui qui va être sur le banc de touche est. C'est un nom qu'on aura entendu parler ou pas du tout. Moi, je pense que tout à coup, on va dire « Ah ouais, non, on n'a jamais entendu, quoi. » Possible. Voilà, c'est... Là, on est en discussion. Là, tu sais ce qui nous manque, Momo, c'est qu'il nous manque une bière, là, parce que c'est une discussion de bistro, c'est pour là, ça, de comptoir. On a ça fait partie aussi de rubrique boule de sympa aussi, un peu disponible à cœur ouvert. Ça spécule, et voilà. Mais ne pas avoir d'infos sur un futur entraîneur, ça ne veut pas dire qu'on est des mauvais journalistes, hein. Ah, mais moi aussi, quand même. Personne n'est là, quand même. Quand même, les temps changent, dans le temps, ils savaient. Hein. Effectivement. Bon, c'était moins cadré aussi au niveau de la direction à ce niveau-là. Oui. Oui. Messieurs, on va parler de la Ligue 1 qui a clôturé son chapitre 2020-2021 hier. Lille champion. Voilà, c'est un très très beau champion tout de même qui a réussi à battre le Paris Saint-Germain, ce qui n'est pas une mince affaire. Belle équipe. Hein. Ah, une belle équipe, méritée. Ouais. Une équipe complète. Un bel effectif aussi, hein. Malgré tous les remous qu'il y a eu dans le club. Hein, Il fallait oser faire un recrutement comme ils l'ont fait avec chercher un mec Imaz, 34 ans. Ouais, ouais. Fallait quand même le faire. Hein. Ah, ils se sont pas trompés. Ouais. Et l'autre, il a mis du temps aussi, David. Hein. Bien sûr, ouais. Il a mis du temps et là maintenant. L'année d'avant avec Osimhen qui était inconnu, enfin tu vois. Ouais. On bosse, hein. Non, mais c'est surtout que Galtier est venu. Le club, il était à deux doigts de tomber. Il jouait le maintien. 18e. Ils étaient 18e. Après, il était à deux doigts de se convier le sort. Il était relégable longtemps. Ouais. Très solide défensivement. Hein. Oui. C'est la clé. Hein. Super gardien, futur gardien de l'équipe de France. C'est important. De toute façon, si tu veux être champion, il faut avoir un grand gardien. Oui. De toute manière. Et voilà, je crois que c'est mérité. Et puis, les Parisiens, hein, ils n'ont qu'à se bouffer les doigts. Hein. Ils ont pensé que
Je les ai pas ça les doigts, mais est-ce que, ça passe. En reprenant les propos de Mbappé qui disait que c'est Paris qui a perdu le titre et pas Lille. Mais il aurait mieux fait de féliciter les Lillois. Oui. Mais il a manqué de classe. D'élégance. Je trouve ça dur parce que quand vous regardez en Angleterre, vous regardez le leader, le nombre de points, et vous regardez ceux qui suivent le nombre de points. Mm-hmm. Et derrière, c'est City à City, et après, c'est décroché. Et là, en France, c'était pas décroché. Donc ça veut dire que les 3-4 premiers se sont quand même tirés la bourre jusqu'à la dernière journée. Et le nombre de points est relativement explicite. Donc moi, je trouve que Lille, au contraire, fait un beau champion. Ah oui. Parce que c'était un champion qui a tenu, même quand ça a régulier un peu. T'as vu le nombre de points qu'ils ont, ouais. Ah oui, c'est alors ça, c'est pas, ce que c'est pas un champion par hasard, là, quand t'as autant de points. Hein, ouais. Ça fait quand même et puis, ça sera une belle punition pour le Paris Saint-Germain aussi. Parce que encore une fois, ils avaient fait le coup à l'époque avec Laurent Blanc. Ils l'avaient éjecté lorsqu'ils étaient premiers. Mmh. Le club n'avait pas fait champion. Exact. Ils avaient fait avec... c'est pas Laurent Blanc, c'était avec Antoine Comboiré, pardon. Avec Ancelotti, ouais, c'est Comboiré qui avait été... c'est ça. Comboiré, ils étaient premiers. Ouais. Finalement, ils n'ont pas fait champion. Et là, rebelote avec Tourelle, viré après la victoire face au Racing Club de Strasbourg, 4-0. Alors, on sait bien que ce n'est pas par rapport au résultat, hein, que c'était avec Leonardo, mais vous voyez, ça c'est un directeur sportif, voilà. Ouais, ça fait du bien, mais c'était... Juninho. Moi j'ai regardé le... tous les matchs hier, c'était vraiment très intéressant, quand il y a la petite sonnerie, à chaque fois c'était ou en haut ou en bas, c'était une journée passionnante, n'empêche. Hein. C'est la première fois que je regarde un multiplex. Et franchement, c'était passionnant hier pour et devant et derrière. Une saison tellement particulière avec deux diffuseurs. Média Pro, on l'a déjà oublié. On l'avait déjà oublié. Le fiasco. Non mais moi je regarde s'ils ne retirent pas l'abonnement encore tous les mois. Mais tu le dis, Média Pro. Mais ça, hier il y a eu le président, notamment de Loïc Ferry de Lorient, qui disait que il y a des clubs qui ont traversé une période de crise là maintenant à cause Bordeaux. De et dans Bordeaux, il y a grande difficulté. Nîmes et il y a le président qui jette l'éponge à Nîmes. Hein, Lorient a des difficultés aussi. Hein, financièrement. Non mais c'est terrible. Moi je trouve que c'est terrible. Et je persiste et je signe que ceux qui ont décidé de faire venir Mediapro n'assument pas leurs actes aujourd'hui. Mmh. Ils n'assument toujours pas. Mmh. C'est à eux de payer les pots cassés. Une saison sans public qui a eu quand même des conséquences sur, sur le ratio match victoire à domicile, victoire à l'extérieur. Tout de même, c'est quand même à noter. Le fait de revoir du public, forcément, on va avoir une nouvelle saison et qui va débuter avec un nouvel environnement et peut-être même un autre sport, Jackie. On va voir. Merci de m'aider. Un autre sport. Ça change un peu. Pas un autre sport, mais ça change un peu les codes. Ah. Revenir à ce qu'on a connu la saison d'avant. Non mais hier, à la Méno, il y avait même pas de bande son. Alors ils mettent des bandes son à tous les matchs et pas sur le match d'hier. J'ai envie de crier au scandale. Là, il aurait fallu mettre une bande son. Est-ce que le fait d'avoir toujours ces matchs à 21h et de ne pas les avancer à 18h, certains sports cool ont fait d'avancer ces matchs pour avoir du monde dans les enceintes sportives. C'est trop tard, 21h. 20h, c'est bien. C'est trop tard. 19h30. Allez, hop. 19h. Non, je préfère 19h30. 19h, ouais. 19h15. J'ai à 4h30 ce matin. À 15h, c'est bien, le dimanche après-midi, 15h. À l'époque, le samedi soir, c'est top. Ouais, c'est top. Mais bon, ça va faire plaisir aux Chinois ou pas? T'aurais été reflambé. Je pense qu'il faut jouer, le samedi après-midi pour que le foot amateur puisse jouer le dimanche et que les joueurs peuvent aller et que les spectateurs peuvent aller dans leur village voir leur... Voilà. Et comme ça, le samedi soir, c'est flambe à cœur. Pardon? Pardon? Qu'est-ce que t'as dit? Le samedi soir, c'est pas parler français, non? Le Lyon, toujours censé. Hein. Voilà, c'est le grand père de la saison. Deuxième année de suite. Hein. Je pense que là, s'il doit tirer la gueule. Hein. Financièrement, c'est pas ça. Tu l'as pas vu hier, l'histoire sur un pénalty hors-jeu, pas hors-jeu, ce qu'il a dit. Il trouve une excuse toujours. Le VAR va évoluer aussi la saison prochaine, apparemment. Ouais. D'accord. Apparemment, cet été, ça va évoluer. Ils seront à 7 au lieu de 3 dans le panneau. Non, je sais pas, mais ça va évoluer apparemment sur les prises de décision. Peut-être que l'arbitre central devra aller plus souvent consulter les images, tu vois. Parce qu'ils mettent trop de temps en France par rapport à les matchs en Angleterre. Parlons quand même de ce qui s'est passé à Nantes. Je sais pas si vous avez vu. Ah non, j'ai pas vu. De ce pénalty sifflé en première intention. Donc le score est d'un peu partout. Hein. 2-1 en faveur de Montpellier. Ils pouvaient revenir à 2-2. Ils pouvaient revenir à 2 partout, ce qui changeait. Ah bah tout. C'était Brest qui était pour la barragiste. Pénalty annulé par. Mais à vitesse réelle, c'est quand même dur. Je l'ai vu, cette action. Franchement, je siffle.
Oui. Et là, merci Lavar, on peut le dire. Hein. Très bon arbitrage. En tout cas, Lavar a joué sur le maintien d'une équipe. Et cohérent d'ailleurs, puisque donc, c'est l'arbitre qui prend ses responsabilités pour aller juger le pénalty ou pas sur l'écran. Il se déjuge, ce qui est très très rare dans le championnat de France, en tout cas, et qui est logique dans son jugement, puisqu'il annule le pénalty et il met avertissement pour le Nantais pour simulation. Qui est aussi de plus en plus rare dans le football. Ouais. Ça serait bien de le remettre, si le carton jaune pour simulation. Ouais. La vitesse réelle, c'est dingue. Moi, je siffle direct. J'ai pas vu. Nantes barragistes, ils n'ont pas réussi leur pari, malgré la prime de Kita. Nantes-Toulouse. Mais heureusement que l'argent fait pas tout, quand même. Nantes-Toulouse. Ouais. Il faut surtout souligner face à son ancienne équipe. Il faut souligner que toutes les équipes ont joué le jeu jusqu'à la fin. Personne n'a lâché et ça, c'est quand même rare. Mais vous voyez, il y a quelques semaines, tout le monde s'offusquait d'avoir perdu contre Nantes et moi aussi, je veux dire, dans le sens où on n'aurait pas dû perdre ce match. Et au final, tout le monde disait ouais, c'est nous qui allons tomber en Ligue 2, Nantes, ils vont sauver. Et malgré leur série, je sentais que ça allait être quand même eux. Ils méritent. Parce qu'on dit Strasbourg mériterait de tomber. Non. Vous avez vu Nantes jouer sur 33 journées ? Parce que c'est bien beau de dire hey, les 5 derniers ont gagné 4 matchs. Sur 38 journées. Non, mais sur les 33 premières. Ouais. Sur les 33 premières journées, Nantes, c'était moche. C'était pas mieux que Strasbourg. Non, mais Bordeaux, c'était pas mieux non plus. Bordeaux, c'était pas mieux. Pendant 30 journées, c'était pas mieux non plus. Voilà. Non, mais donc c'est pour ça que je dis, moi, je vois pas pourquoi on dit Strasbourg méritait de tomber. Non, voilà. Enfin, les autres, sur leur place. Hein. Quand Dijon, ils ont gagné, je sais même pas combien de matchs. Là. Faible. Messieurs. Heureusement. On ferme le rideau pour ce soir. Il y a aussi Adrien Zakarian et Kita qui est en bon terme. Donc on ferme le rideau pour cette saison 2020-2021. Elle était longue. Ouais. Très longue. Loré a dit non. Mais moi je trouve qu'elle est... Il a l'inverse de ce que tout le monde pensait. Il a fait une dernière pirouette. Il est sorti avec un double salto arrière. Tu mets combien ? Je ne suis pas sûr qu'il se relève s'il fait un salto. Ouais. Merci messieurs. Que se passe-t-il l'année prochaine, Maxime ? Pardon ? Que se passe-t-il l'année prochaine ? Bah, l'année prochaine, mais dites-nous, c'est vous qui... Je sais pas, je te pose la question, que se passe-t-il, l'émission, tout, qu'est-ce qui se passe ? Explique-nous un petit peu. Ouais, je vais pas parler de moi. La France entière... Ah non, tu vas pas nous faire du Thierry Loret, là. Non, je vais pas parler de moi. La France entière... Rendez-vous avec ma direction mardi. La France entière attend des réponses. J'ai l'impression qu'il y a du transfert dans l'air. Pas du tout. Voilà, mais j'ai pris la décision de prendre un peu de retrait, de mettre le Racing entre parenthèses. Et Direct Racing notamment, pour d'autres projets sportifs, notamment le handball, mais pas que. Il y a aussi autre chose que le football en Alsace, et d'autres choses que le sport aussi. Donc il y a des projets en cours, et forcément il faut se libérer du temps. Et donc voilà, après 10 ans de RCS Live et de Direct Racing... Et de cheveux perdus. Moins, et de cheveux perdus, ouais. Exactement, et pas que. Il n'y a pas eu que des cheveux. Bon. Donc voilà, mais de temps en temps, si... Si Monsieur Conrad me laisse la place pour un autre show autour du plateau. Avec plaisir. Vous faites partie des murs, Monsieur Conrad. Ouais, je m'amuse à compter, ça fait 7 mois. 7 saisons. Hein. Ouais. Ouais. Exactement. La combienième pour Jackie Je compte pas, moi. Quatrième. La quatrième, hein, déjà. Mais j'en reviens pas. Qui va débuter ? Trois saisons au plateau, ce sera la quatrième. Ouais. On va démarrer la quatrième. Moi, c'est comme toi, c'est à discuter encore, toi aussi. Hein. Ouais, moi, je suis aussi fin de contrat. Donc voilà, merci messieurs pour c'est le président pour la bonne humeur. Il va m'attendre encore. Pour la bonne humeur, pour voilà, cette passion que vous avez pour merci à toi. Club de Strasbourg. Ouais. Et puis, t'as pas toujours été bon, mais t'es sympa. Merci pour ces derniers mots. Non, mais c'est pour ça que le président n'est pas venu, peut-être il aurait dit la même chose à l'oreille. C'est ça. Voilà, bonnes vacances messieurs. Merci. Reprenez des forces, mais si vous aurez des congés, monsieur. Là, c'est pas prévu. On termine le hors-série qui sort début juin. Là, on est en train de finir la couverture avec Kara. Donc les émissions, c'est fini. Les émissions, on fait une petite pause. On fait une pause et on revient pour l'Euro. Des émissions spéciales Euro. Ah voilà. Ah, il y aura des émissions spéciales Euro. En partenariat avec Unamax. Bah, on me prévient pas. Voilà, je merde, il revient. Bah non, t'as dit. Ah, il revient. c'est j'étais pas au courant. Temps additionnel. Tenditionnel. Ah oui, ça commence la saison encore. N'empêche, ce monsieur-là, il m'a donné des idées. Moi, hein, j'ai soif, là, par contre. Il y a ma bière qui m'attend, là, les gars. Ce temps additionnel, voilà. Il y aura peut-être des choses qui seront développées avec Alsace Sport Média dans cette rubrique improvisée et qui nous a fait connaître l'envers du décor de monsieur Mohamed Siality, sa participation à Koh-Lanta. Voilà.
Merci, c'était vous qui étiez. Moi, je suis sûr. Nombreux et nombreux. Bien sûr, j'ai pris 4 kilos. J'ai pris 4 kilos. C'est du pipeau. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'en plus de nous débarrasser de toi, on se débarrasse des quiz. Ah, ça, c'est une bonne chose. Non, il a oublié. Ça revient. Oh, arrêtez d'être mauvaise langue. Il n'y en a pas eu des quiz depuis belle durée. Heureusement. Donc voilà. Allez, on se quitte. Donc rendez-vous pour les émissions de l'Euro. Voilà, avec Winamax notamment. Merci de nous avoir suivis pour cette dernière émission. Vous étiez nombreux et nombreux à nous suivre sur les derniers rendez-vous, là, avec notamment Jérémy Green qui était là sur les dernières émissions, qui va revenir. Qui rejoint l'équipe l'année prochaine. Je peux dire une chose, j'espère que l'audience ne baissera pas quand tu seras plus là. Oui, je le prendrai très mal. Si elle augmente, Maxime, on fait un transfert. Maxime sort et Jérémy Green rejoint. Voilà, il y a quand même du plus. Il est un peu plus grand que toi, oui. Et Jérém, faut qu'il ne soit pas langue de bois. Faut qu'il lâche un peu là. Faut qu'il donne là. Oui, ça, j'allais dire. Mais il le sait. Allez, bonnes vacances à toutes et à tous. Et puis à très vite sur les antennes d'Alsace Sport et Direct Racing. Ciao, bonne soirée.